Hello! Genre, faut toujours commencer ce genre de vidéo par ça sera pas la plus joyeuse de ma chaîne. Si vous me suivez sur Instagram et aussi sur Twitter, vous savez de quoi je vais parler. C'est une vidéo qui, je pense, va être un peu longue parce que j'ai pas mal de choses à dire et pas mal de choses à vous raconter de mon aventure YouTube, qui est une aventure, une grande aventure en soi. Parce que ça fait longtemps que je suis un petit dinosaure de YouTube et. Mais vraiment un petit, pas un gros dinosaure, un petit dinosaure. Et j'ai vu pas mal de choses changer. Le YouTube d'aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, moi je le trouve très cool. Je trouve ça très bien qu'il y ait des nouvelles choses, je trouve ça très bien que les choses évoluent et je pense que tout le monde a sa légitimité à être sur YouTube. C'est qu'en ce moment ça fait pas mal de débats, mais pour moi je pars du principe où chacun fait ce qu'il veut sur YouTube et si ça marche tant mieux. Mais c'est de ça que je vais vous parler parce qu'il y a plein de choses à nuancer. Et c'est assez bizarre parce que moi je suis sur YouTube et c'est pourtant un YouTube que j'en veux le plus, même si je peux rien faire. Faut savoir que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 6 ans et demi, peut-être 7 ans, je sais pas. J'ai pas de suite fait des vidéos comme aujourd'hui. À la base je faisais des petits tirages au sort. Je connaissais pas YouTube, YouTube n'était pas rémunéré. On rêvait pas de devenir YouTuber à l'époque, c'était pas du tout, c'était quelque chose qui était tellement méconnu. Et c'est trop bizarre ce sentiment-là que j'ai aujourd'hui parce que aujourd'hui il y a des gens qui viennent me dire oh, comment on fait pour devenir influenceur alors que tu sais genre c'est pas comme ça qu'on procède, enfin j'en sais rien. À l'époque c'était c'était la magie du début, genre vraiment c'est comme le premier amour, c'est waouh, c'est trop bien et tout. J'ai fait du make-up au début parce que les filles faisaient que du make-up et puis j'ai décidé de faire autre chose parce que j'étais un peu une brêle en fait. Il y avait des Amy Makeup Pro, il y avait des Oria qui faisaient des trucs vachement plus stylés que moi à l'ancienne, tu vois. J'ai dit bon vas-y je leur laisse faire ça. Moi ce que j'aime c'est parler avec les gens et notamment parler de tout ce qui est amour et tout ça. Très 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 vite ma chaîne est devenue une chaîne qui parlait genre de poterie et d'amour. J'ai pris super 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 cher sur les réseaux sociaux, j'en ai pris voilà plein la gueule. Mais en soi ça a fait exploser ma chaîne YouTube, c'est comme ça que j'ai commencé à passer des paliers, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder mes vidéos, à avoir du soutien etc etc. Il y a pas mal de vidéos poterie qui ont vu le jour, des vidéos qui parlaient de poterie un petit peu comme moi, des vidéos qui parlaient de poterie en présentant des objets pour de la poterie solitaire etc etc. De plus en plus de gens s'est mis sur YouTube en gros et de plus en plus de gens ont fait des choses sur YouTube et là YouTube a commencé à se faire un peu tirer la sonnette d'alarme par les annonceurs, par ceux qui payaient les pubs etc, et YouTube vit de ça. Donc YouTube fait croire que non, nous c'est nous qui gérons les marques, mais en fait c'est les marques qui tiennent YouTube par le bout du nez et ils leur disent ça ça va pas, ça ça va pas, ça ça va pas. Et puis il y a eu pas mal de problèmes notamment avec des vidéos qu'il y a eu avec des youtubeurs qui ont fait des vidéos, enfin je vais pas revenir là-dessus parce que voilà, mais il y a eu pas mal de vidéos qui ont été un peu moyen. Du coup YouTube s'est fait un peu tirer la sonnette d'alarme et ils ont dit attendez là ça va plus du tout, tout le monde fait n'importe quoi, nous on veut pas mettre des pubs là-dessus. Moi je suis annonceur, je travaille pour imaginons L'Oréal et j'ai pas envie d'atterrir sur une pub qui parle d'une personne qui présente des objets de poterie solitaire, moi c'est pas du tout mon truc etc etc, c'est mort. Du coup ils ont commencé un peu à couper les livres à YouTube et YouTube a commencé à se dire bon les gars on est un peu dans le caca là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là YouTube a commencé à classer les chaînes. Alors je sais pas si ça s'est fait avant après parce que je suis pas dans YouTube en dessous, c'est que ils ont classé des chaînes par PSCore et je vous mettrai une vidéo qui en parle mieux que moi. Il y a le PSCore Friendly Family, le PSCore ci, le PSCore ça, et moi j'étais en PSCore mature, c'est-à-dire voilà, vous avez compris, c'est genre ça, voilà. Et les annonceurs peuvent décider sur quelle pub ils mettent dans les classements, genre ils disent pas, c'est pas des sujets, c'est vraiment, ils disent moi je veux pas atterrir dans les vidéos matures, hop, vous dégagez ça de la liste et voilà. Mais ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps que moi je suis pas forcément rémunérée pour mes vidéos en soi. Je m'en suis toujours un peu foutue parce que je faisais vraiment ça par conviction intime, parce que je savais que voilà, je partageais des choses avec des gens, parce que j'avais des gens qui voyaient mon contenu, même si un youtubeur pour une vidéo qui fait autant de vues que moi, je vais gagner divisé par 3 ou 4 son salaire. Ça j'en parlais avec mes potes quand je leur disais, on comparait des vidéos, des watch time et tout, ils me disaient mais c'est tout ce que tu gagnes, est-ce que tu fais. J'étais en mode ouais, mais c'est pas grave, genre c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours pensé ouais, si vous parlez de poterie sur YouTube c'est juste pour la thune, que ça soit au début, maintenant ou après. C'est les vidéos qui sont les moins monétisées du game. C'était les vidéos les plus vues mais les moins monétisées du game. Et c'est pas grave, je vivais autrement, je faisais mes placements de produits, il n'y a pas de soucis etc. Ça n'a jamais été un problème de pas vivre de ma rémunération YouTube. Donc j'avais la rémunération coupée sur les vidéos les plus tendues, ce que je comprenais. Et j'avais encore de la rémunération sur les autres vidéos. Plus les années passent, plus YouTube est devenu genre intransigeant. C'est à dire que moi il y a des vidéos qui sont sorties au tout début de ma chaîne qui sont démonétisées maintenant. Genre il y a eu du jour au lendemain, j'ai eu toutes mes vidéos qui ont été démonétisées, comme beaucoup d'autres YouTubeurs. Pas pour les droits d'auteur mais pour
les sujets. Genre tout, enfin je peux pas redire tous les mots à l'oral parce que là je me fais démonétiser à balle, mais vous voyez tout ce qui parle de poterie, de corps, etc., de problèmes féminins, etc., tout ça, hop, hop, démonétisation, 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 etc., etc. C'est pas grave, encore une fois, on s'en fout, genre problème qui se pose aujourd'hui, et c'est là où y a McFly et Carito qui ont fait une vidéo il y a pas longtemps, et j'avais mis un commentaire que c'était bien le nouveau YouTube, etc., nananana, qu'ils voyaient pas la censure, etc., et moi je trouve ça un peu, comment on dit, un peu faux cul d'arriver, de dire ça, enfin en soi, moi ce que fait McFly et Carlito, j'aime bien, c'est cool, c'est divertissement, en soi c'est cool. Je vous mettrai là ce que j'ai mis sur la vidéo de McFly et Carlito, mais en soi ce que je disais c'est que YouTube est devenu lisse, et qu'en gros, si tu fais pas du contenu friendly, si tu fais pas tout ça, en fait t'es pas mis en avant. Parce qu'en soi la rémunération c'est un fait, ok, je ne vis pas de YouTube, c'est pas grave, je travaille à côté, j'ai mes études, voilà, je fais études, travail et YouTube, tant pis, tu vois, genre c'est un fait parce que je peux comprendre que des marques ne veulent pas être associées à toi, je peux pas leur dire gagnant. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que YouTube en fait masque toutes ces vidéos. C'est compliqué en fait de se dire tu fais des trucs, tu fais du contenu pour être finalement boycotté par YouTube, parce qu'il va se dire non mais en fait ce contenu on n'a pas envie de le mettre en avant, parce que de un ça sert à quoi de mettre en avant un contenu qui rapporte pas assez d'argent à la plateforme, et de deux parce que bah, les sujets ils sont un peu touchy, donc ça dégage. T'es obligé de te lisser et de devenir un YouTuber friendly, un YouTuber qui fait de sa chaîne soit un petit peu de la télé-réalité, soit que du divertissement, même si en soi ces sujets ne me gênent pas, mais en fait je me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Et je sais que ça va évoluer, je sais que les choses vont changer, je sais que c'est une boucle. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, ma chaîne, elle est considérée dans les chaînes matures, et que quoi que je fasse, quoi que je dise, etc., etc., même les vidéos qui ne parlent pas de poterie, c'est les vidéos qui parlent de poterie qui sont le plus mises en avant sur ma chaîne, genre, parce que poterie, ça passe. Entre ceux qui reçoivent pas les notifications, les problèmes de notification, les ci, les ça. À l'époque, il y avait tout le monde qui recevait une notification, c'était basta, t'as envie de regarder, t'as pas envie de regarder. Maintenant, c'est ils envoient des premiers gens, s'ils regardent la vidéo, ça va faire ci, ça va faire ça, etc. Ça m'a saoulé de ouf, je me suis dit en 2020, tu te recrées une chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Et il y en a plein qui m'ont dit non mais tu sais Léa, t'as 450 000 abonnés, c'est cool, tu peux faire des placements de produits et tout, sauf que je fais pas de placement de produits sur ma chaîne YouTube parce que j'en fais plus trop aussi pour d'autres raisons qui sont des convictions personnelles qui fait que j'ai pas envie de vous pousser à consommer, à acheter tout et n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est que on s'en fout en fait, 450 000 abonnés, il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont partis faire une pétanque depuis 10 ans que j'ai jamais revu. Au bout d'un moment, c'est un chiffre, c'est pas grave de repartir à zéro, et je préfère avoir 5000 abonnés et avoir des gens qui regarde vraiment mes vidéos. Je me suis dit peut-être que si je recrée tout à zéro et que je recommence tout à zéro, je peux partir sur une feuille blanche tout en continuant malheureusement à me lisser à la plateforme parce que j'ai pas le choix, mais en évitant les vidéos que j'ai sur cette chaîne, c'est-à-dire les vidéos qui parlent de tous ces sujets bien tabous et qui étaient autorisées à l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui. Bah je pourrais peut-être voilà condenser le tout en recréant une chaîne YouTube. Donc j'ai recréé une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien si vous voulez vous y abonner. La grande question étant, est-ce que je vais me refaire striker ou pas? Je ne sais pas, vu que je vais changer mes termes, que je vais m'hisser un peu plus à la plateforme et que je vais pas faire de bêtises, logiquement ça passe, ça passe. Comme les courses là ça fait tit, ça passe. On sait pas combien de temps, on sait pas ce qui va se passer, etc. Mais pour l'instant ça m'a saoulé, je me suis dit recommence tout à zéro, c'est pas grave, au pire ça marchera pas. Si ça marche pas, j'ai toujours cette chaîne, je compte pas la supprimer, et je ne compte pas non plus en fait sur cette chaîne, tant pis, maintenant elle est dans le côté bresson de YouTube, on va la laisser dans le côté bresson de YouTube. Sur cette chaîne j'essayerai de publier par exemple une fois par mois, ou je sais pas quand j'aurai le temps, parce qu'avec les études et le taf, je sais pas, mais les petits documentaires sur les sujets un peu plus trash, etc., que je me suis toujours forcée à ne pas faire pour éviter de me faire par YouTube. Mais pourquoi pas, sur cette chaîne il y aura toujours des petits trucs de temps en temps, et si jamais sur l'autre chaîne bah finalement ça me va pas, ça me plaît pas, ça marche pas, ou finalement je fais vraiment beaucoup moins de vues que ce que je fais sur cette chaîne, je reviendrai ici, tant pis, tu vois, genre je tente un truc pour 2020. Ça fait très longtemps que j'ai envie de refaire une chaîne YouTube, ça fait très longtemps que j'ai envie de repartir à zéro. On va pas mourir hein, cette chaîne elle va pas mourir, moi je la garde. Ok, il y en a qui m'ont vu évoluer, on a vécu une belle aventure, etc. ici, c'est cool, mais au bout d'un moment vous pouvez vous rendre compte que c'est frustrant de passer des heures là-dessus, sachant que je le fais vraiment à côté de plein de choses, c'est pas comme si je faisais ça à plein temps. Mon objectif principal c'est vraiment de devenir psy, mon autre objectif c'est de grind, donc je travaille, et ça c'est vraiment par passion, et je prends vraiment du temps perso. Voilà, faut savoir que sur la chaîne évidemment je ne suis pas rémunérée pour l'instant, toutes les vidéos qui vont apparaître ne seront pas monétisées sur la chaîne, parce qu'il faut que je fasse un max de vues pour pouvoir être rémunérée, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 6000 heures de vues sur notre chaîne avant d'avoir accès à la rémunération. Quand vous cliquerez sur le lien là aujourd'hui, il y aura la première vidéo
vidéo de ma chaîne qui est une FAQ question intime, en ayant évidemment lissé le truc. Mais sur l'autre chaîne, je compte vous proposer quand même quelque chose de différent, tant qu'à partir à zéro, quelque chose de différent mais similaire. C'est-à-dire qu'on parlera toujours de poterie, de time to talk, etc. etc. Mais j'ai envie de tellement, parce que sur Instagram, c'est ce qui est le plus présent, c'est vraiment de parler de psycho, mais plus en vidéo, c'est-à-dire, mais pas vous faire la psycho pure et dure, plus vous parler d'histoire, vous parler de choses, vous parler de, bah, de raconter des anecdotes et les lier à la psycho. C'est-à-dire vous parler d'amour et vous expliquer des théorèmes de psycho, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et essayer de faire de la vulgarisation sur tout ce qui sont les sujets de psycho. Un mois sans, un mois avec, 24 heures avec. Et j'ai envie de faire ça pour 2020 sur l'autre chaîne YouTube. Donc je vous attends pour vous abonner à l'autre chaîne YouTube parce que mine de rien, je sais que j'ai une communauté ultra âgée, ultra mature qui est au taquet dans la compréhension. Je sais aussi qu'il y en a qui vont s'indigner, pas comprendre, qui vont râler, etc. Même si je pense que, je sais pas si vous êtes du genre à trop râler, mais il va y avoir des trucs qui vont dire oui, mais c'est peut-être ton sujet qui fait que nanini. Enfin bref, on m'a déjà sorti tous les trucs, je serais chaud pour répondre. Hein. Mais par exemple, quand on me dit oui, c'est peut-être tes sujets qui sont pas bien abordés, ou c'est tes vidéos, elles sont pas assez pro. Enfin les gars, en tendance, il y a des gens qui font 24 heures en mangeant d'une seule couleur. Par exemple, moi dans ma TL, ça se dit pas pour YouTube, mais bref, dans mon fil d'actu YouTube, j'ai que des vidéos de psycho et de vulgarisation. Mais c'est des vidéos, il faut les chercher 300 ans pour les trouver. C'est pas des vidéos que vous allez avoir le matin qui vont popper dans votre fil d'actualité. Et les vidéos qui popent dans le fil d'actualité, c'est toujours la même chose. C'est dommage qu'on soit pas tous sur le même pied d'égalité. Je veux dire, t'as ta communauté, t'as des gens qui sont abonnés. Ils envoient les notifications aux gens qui sont abonnés aux siens. Donc bien évidemment, ils ont toujours plus de vues parce qu'il y a plus de gens abonnés. T'envoies toutes les notifications. Moi, je sais que j'ai un très bon watch time sur mes vidéos. Vous êtes plutôt du genre à bien regarder et tout. Au bout d'un moment, je suis en mode bon. J'ai un bon watch time, quand même le principal de mon YouTube. J'ai des interactions pas de ouf, mais j'en ai quand même. Au bout d'un moment, fais un effort, tu vois. Et quand comment je commence à avoir pas mal de notifications de ma vidéo truc, et bien, je l'ai fait couper en deux, genre. Ah, la vidéo n'est plus adaptée, en fait. Donc voilà, 2020, on se retrouve sur l'autre chaîne YouTube. Je suis très contente à l'idée de redémarrer tout ça. On verra ce que ça donne. Voilà, vous suivez l'aventure avec moi. Ne vous inquiétez pas, cette chaîne, voilà, va pas rester à l'abandon. Je pense que j'ai des trucs à faire. Genre, j'ai envie de faire des trucs aussi ici. Pour l'instant, je vais me consacrer à l'autre. Ayant trouvé un taf, j'ai beaucoup moins de temps pour faire ce qui me passionnait le plus sur YouTube. Et je me rendais compte que même quand je faisais ce qui me passionnait le plus, je le faisais pas à fond parce que maintenant que j'ai plus le temps, j'ai envie de faire tellement de choses avec YouTube. Je suis en mode, oh, je préfère ça, ça, ça. T'as plus le temps. Alors qu'avant, j'avais tout le temps possible. Je suis en mode, alors que putain, oh là là, qu'est-ce que dire que j'ai osé me plaindre en disant oh là là, mais je suis trop occupée dans ma vie. Bon, ben je vous laisse parce que je vais aller au taf. Voilà, je vous remercie, merci pour tout. On se retrouve sur l'autre chaîne et aussi sur mon Instagram. Bah voilà, et bonne année 2020.